Nous sommes légalement nés en France, mais réellement ailleurs. On a toujours le nez ailleurs. De toute façon, en l'air si possible. Nous sommes quatre zèbres que la musique des mots et le langage de la musique réunit. Chacune de nos rencontres est bruyante, joyeuse, sérieuse et pas sérieuse, comme une clique indisciplinée de Gaulois aux abords d'Alésia et qui ont toujours la gueule. Les mots, on les tape à la machine. Dans la matière de nous-mêmes, on les marche avec nous. Ils nous craquent la tête et les os. Et malgré le réel qui nous bouffe par les pieds, les reins, le cœur, le cerveau, nous sommes vivants. Non, j'ai appris à écrire sur la machine à écrire de mon grand-père, réfugié politique ici. Je suis né dans la longueur de ma grand-mère et la parlure de mon grand-père. Tous deux illégalement venus en France. Ma grand-mère avait un accent à vous enrhumer n'importe quel frileux de vivre, à vous décorner les bœufs de la grande plaine du sud, de la Sierra ou de l'Oural, puisque j'ai commencé par vous parler des mamies et papyrus tout à l'heure. Je t'écris à décorner les bœufs de la grande plaine de l'Oural. Je t'écris un détachement anatomique post-daté. Je t'écris un geste, une chimie, un spectre, une guigne. Je t'écris à défarguer ce précaire qui empile les fatigues devant toi. Tout le monde devrait savoir ça. Savoir qu'il faut s'improviser vivant et se voir mort en disant c'est rigolo. Mais on n'a pas d'espoir dans les mots. On dit de pauvres mots et on vit pauvrement nos pauvres mots. On n'espère rien, on n'espère pas. On s'assoit devant la télé, on va au cinéma, on se dit « c'est ça que je veux faire ». Et puis en sortant, on a déjà oublié. On passe sa vie à s'asseoir, sa vie qui file, et puis un jour, on se couche et on oublie de dire « c'est rigolo » parce que c'est pas rigolo. Thank you.
vrai, toujours dire des mots plus haut que soi. On ne devrait pas s'asseoir plus que la nécessité nous oblige. On ne devrait s'asseoir. Oh, seulement pour accueillir celle ou celui qui vient d'un long voyage. On devrait bazarder sa télé, même du rez-de-chaussée, bazarder les écrans. On ne devrait s'asseoir que pour accueillir celle ou celui qui revient d'un long voyage et qui a soif. Et qui de sa soif pourrait rassasier la nôtre. C'est ça que je voulais te dire. C'est ça que je voulais te dire.